Bonjour, mon nom est Claude Lavoie, je suis biologiste et professeur à l'Université Laval. Je suis un spécialiste des plantes envahissantes. Puis justement, en parlant de plantes envahissantes, je me trouve devant une plante envahissante, c'est-à-dire le lamier jaune. C'est une plante d'introduction relativement récente en Amérique du Nord. Elle est beaucoup utilisée comme couvre-sol. Et pour cause, c'est un couvre-sol extraordinaire. Ça se répand facilement. Un brin mis en terre va vous produire ce que vous voyez là. Le problème, c'est que tant que ça reste sur les plates-bandes, c'est pas trop grave. Quand ça arrive dans les boisés, là, c'est une autre chose. Puis souvent, on a tendance à se débarrasser de ça dans les boisés, particulièrement les boisés urbains. Et là, ça s'étend beaucoup parce que ça fait des courants sur le sol qui vont faire en sorte de produire des tapis tout à fait extraordinaires. Donc, on ne sait pas trop la conséquence de ça pour la biodiversité. Les connaissances sont pas très élaborées, mais chose certaine, c'est pas très une très bonne idée là, d'aller mettre ça dans les boisés urbains. Gardez ça dans vos plates-bandes. C'est la meilleure chose à faire en ce qui concerne cette plante envahissante-là. En tout cas, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à vous procurer mon nouvel ouvrage « 40 autres plantes envahissantes, protéger la nature aujourd'hui et demain » qui est disponible aux publications du Québec. À bientôt!